عاجل وردنا قبل قليل خبر محزن للجزائريين بخصوص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والشعب الجزائري يعلن الحداد إنا لله وإنا إليه راجعون. رئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن عمر يناهز 75 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا مع عدد كبير من مساعديه ودخوله في العزل الصحي بمستشفى. وردنا قبيل قليل خبر محزن للجزائر بخصوص الرئيس عبد المجيد والشعب الجزائري يعلن الحداد. دخل رئيس الجزائر débouté par le peuple qui refuse de marcher dans leur combine, consistant à remuer ciel et terre pour provoquer le chaos en Algérie, les voilà de retour, ces éternels semeurs de troubles qui, trouvant prétexte dans le confinement préventif du chef de l'État, déploient leur propagande médiatique au grand jour. Pour ce faire, ils s'adonnent à leur sport favori, celui de colporter les rumeurs dans les mailles des réseaux sociaux. Pas que, puisque ces fake news sont saupoudrées d'une bonne salve de commentaires calomnieux. L'adhésion du peuple à la démarche du président Tebboune dans le rendez-vous du dimanche prochain constitue la rupture avec le passé dérange les forces du mal et autres chargés de missions télécommandées par les ennemis de l'Algérie. Ils étaient nombreux en effet, à l'affût, ces commandos des cellules dormantes de l'ex-FIS, cloîtrés dans leurs bureaux élus dans les capitales étrangères, et tapis derrière l'écran, manœuvre à coups de cacophonie qu'ils tiennent pour des infos exclusives. Dans un contexte régional explosif et un monde déréglé, la stabilité et la force de l'Algérie dérangent les intérêts occultes de certaines officines étrangères qui ont envoyé leurs missionnaires attitrés pour tenter de semer le doute, la panique et la confusion au sein du peuple qui vit en communion avec son président et son gouvernement. Par des montages Photoshop, invention de fausses informations et la publication de posts anonymes sur des réseaux sociaux, les professionnels de la désinformation essayent de détourner l'attention sur leurs échecs répétés à faire sortir le peuple dans la rue. Ces missionnaires, qui ont vendu leurs âmes pour quelques dollars et euros, doivent savoir que le peuple est éveillé et conscient des enjeux du moment. Ce même peuple les a démasqués et a fait échec à leur plan vil et mesquin. L'entente entre le président et son peuple et entre lui et l'institution militaire ne sont pas faits pour arranger les choses pour les charognards qui sévissent sur la toile.